Le répondeur revient pour un hors-série, cette fois sous forme d'une vidéo contenant beaucoup d'images totalement inédites de lieux ignorés, jamais montrées auparavant dans les reportages connus, un accompagnement de réponses à plusieurs de vos questions portant sur des points du dossier assez périphériques et rarement abordés. Nous avons choisi cette fois de vous livrer, à côté des informations factuelles que vous êtes toujours nombreux à demander, des analyses plus personnelles et originelles que cette histoire si particulière et étrange inspire à certains d'entre vous, qui nous en fait d'ailleurs part sur le répondeur et qui nous ont paru particulièrement intéressantes pour prolonger notre réflexion commune sur cette affaire française dans ses dimensions sociologiques et psychologiques, comme dans ses mobiles restés mystérieux à ce jour. Nous espérons que ce format exceptionnel vous plaira et saura répondre à vos attentes. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours, ils nous permettent de toujours améliorer la qualité de ce que nous vous proposons. Sur ce, bon visionnage. Oui, bonjour à toute l'équipe. Je venais vous poser une petite question. La question, c'était tout simplement pourquoi cette affaire fascine autant. C'est pas la première fois qu'il y a un fait divers, on va dire, dans ce style-là, avec un enfant malheureusement assassiné. Et je voulais savoir à quoi est due cette fascination pour cette affaire depuis tant d'années. Voilà, et ben je vous remercie pour votre réponse et puis ben merci pour tout ce que vous faites. Alors, au revoir, à bientôt. Bon, c'est ma première intervention sur une chaîne YouTube, donc merci pour cette expérience qui est assez nouvelle pour moi. Sinon, concernant cette question, pourquoi est-ce que ça intéresse toujours autant cette histoire et voire même pourquoi elle fascine? Ce qu'il y a de fascinant dans un cold case, de manière générale, c'est évidemment le fait que le mystère reste entier. Ça, c'est quelque chose, en tant qu'être humain, qui passionne. On a envie de savoir pourquoi. On a envie que tous les secrets soient dévoilés. Ce qui est intéressant avec cette affaire, qui est troublant, c'est qu'il n'y a pas eu de justice. Et d'après les anthropologues, le sentiment de justice est quelque chose qui est arrivé très tôt chez l'être humain. On vivait en petits groupes, et pour une harmonie sociale, pour continuer à survivre, pour survivre ensemble, parce qu'on ne pouvait pas survivre seul, il fallait qu'il y ait une forme de justice. Alors, je ne sais pas du tout à quoi elle pouvait ressembler, mais on le voit chez les enfants, quand ils ont un sentiment d'injustice, c'est un sentiment qui est extrêmement fort chez eux, et ça peut vraiment les faire sortir de leur gond, les rendre très en colère. Mais c'est parfaitement injuste, on l'entend d'ailleurs chez les ados très souvent, c'est injuste, etc. Donc je pense que le sentiment de justice, c'est quelque chose qui compte pour l'être humain. Et dans cette histoire, il n'y a pas de justice, il y a une forme de justice divine, entre guillemets, en tout cas une justice biblique avec la mort de Bernard Laroche, si on considère que ce dernier est le coupable. Une forme aussi de justice, entre guillemets, si on considère que Christine Villemain est coupable, avec ce qu'elle a vécu, enfin le calvaire qu'elle a vécu, quand on la considère coupable, ça nous rassure. Oh bon, elle a reçu ce qu'elle méritait, elle a été punie. Quand on considère que Bernard Laroche est coupable, on se dit la même chose. Bon, il est coupable et il a été puni. La justice a été rendue. Et c'est ça, au fond, je pense, dans cette affaire qui nous pousse à s'y intéresser, c'est pour qu'une justice soit rendue. Parce que c'est extrêmement déstabilisant, en réalité, pour l'être humain, de vivre dans l'idée que notre monde n'a pas de justice. Si vous vous posez 3 secondes et que vous vous dites « je vis dans un monde où mes actes n'ont pas de conséquences, où ceux qui me font du mal ne seront jamais punis » et est-ce que c'est un monde dans lequel on peut vraiment vivre en société? Pas tellement. Bon, je trouve que ça fait donc partie d'un des facteurs qui nous pousse à la fois à prendre parti, il y a des vrais syndromes, entre guillemets, de loyauté d'un clan ou pour un autre clan, mais avec le même objectif qui est celui, ben enfin, justice a été rendue et ça rassure. La troisième chose que je dirais sur le fait que cette histoire nous fascine autant, c'est que les journalistes, les médias, la télé nous a vraiment raconté une histoire, enfin une tragédie, en utilisant tous les codes de la tragédie, en nous créant des personnages extrêmement archétypaux.
On a d'un côté soit Christine Weinman, la manipulatrice, la méchante sorcière, qui limite boit le sang de son fils la nuit. Enfin, c'est assez tragique la manière dont on en a fait une caricature comme ça, misogyne. Et de l'autre côté, on a cette famille, les Boll, Bernard Laroche, qui sont arriérés, qui sont capables du pire, et cette petite de 14 ans qui détiendrait la clé absolument de tout. Quand on s'intéresse à l'affaire Villemain, au tout début, on est persuadé qu'on en sait beaucoup. Justement à cause de ce qu'on a vu à la télévision depuis des années, à cause des séries télé, notamment celle de Netflix qui est passée, à cause des documentaires. Et on pense, parce qu'on en a, on croit en avoir une image au final extrêmement fidèle au dossier, fidèle à la réalité, on a un petit peu ce statut de spectateur et en même temps acteur, c'est-à-dire spectateur. J'observe, je vois, je sais tout. Et en même temps, acteur, je suis capable, je peux être capable de mettre un terme à ce mystère. Si je me renseigne assez, si je regarde assez de choses, si je lis assez de livres sur le sujet, moi, je vais trouver la vérité. Et on peut le dire, hein, on trouve un paquet d'experts hein, dans cette affaire. De gens qui pensent connaître le dossier ou qui voient le dossier d'un certain point de vue, hein, qui va souvent avec la loyauté, le clan qu'ils ont choisi. Et c'est peut-être un petit pourcentage de gens qui, en termes d'experts, pensent au final que ça va changer quelque chose à leur vie si ils sont ceux qui vont trouver la vérité. Il y a un côté un petit peu « moi je sais ». Où moi je peux trouver. Il y a un côté un peu héros, c'est pas seulement l'acteur, quoi. C'est aussi une personne héroïque, celui qui va permettre de tout dévoiler, de tout comprendre, le puzzle, etc. etc. Il y a beaucoup d'égotisme hein, dans cette, je trouve, passion sur cette affaire. Sans vouloir juger qui que ce soit, hein, d'ailleurs. De manière très personnelle, si moi je me suis intéressée à l'affaire, c'est sans doute à cause de mon métier. Je suis scénariste et je trouvais qu'il y avait des choses qui ne collaient pas en termes de caractérisation. Et puis je suis tombée, comme tout le monde, je pensais savoir tout. Je pensais avoir vu tout ce que j'avais besoin de voir hein, pour découvrir la vérité, qu'il ne me faudrait pas tant que ça pour comprendre les incohérences des corbeaux, des différents corbeaux, des lettres et des appels, de l'acte en lui-même de tuer le petit Grégory. Et je vais vous dire, je vais vous avouer quelque chose, plus j'en apprends sur l'affaire, plus j'ai des éléments en main, et moins je sais. Cette affaire, au fond, c'est une vraie leçon d'humilité, quand on s'y intéresse vraiment. Bonjour Radio YouTube, Vince de Loire-Atlantique. Je voulais connaître votre avis sur deux protagonistes de l'affaire qui sont rarement évoqués, mais dont les situations ont été étudiées par le juge Simon. Le premier, c'est René Ayret, chauffeur de la société Peau Douce, qui aurait envoyé un courrier en 86 au juge Lambert s'accusant du crime. Le crime aurait été commandité par Bernard Laroche, qui l'aurait rencontré au café Le Sceau de la Truite à Tunimont. René Ayret n'a jamais pu être interrogé par le juge Simon, car il est décédé en 1989. Est-ce que vous considérez cette auto-accusation comme totalement fantaisiste? Et savez-vous s'il fait partie des investigations menées actuellement sur l'ADN? Le second protagoniste est Jean Dessy, artiste peintre qui aurait aperçu une R5 verte le 16 octobre à 17h15 ou 17h20 à hauteur de Dossel près du chemin Tachet qui permet d'accéder à la Vologne. Le 20 octobre, le jour des obsèques de Grégory, il retrouve la même R5 verte au même endroit où il voit fuir un couple avec deux ou trois ados de 15 ans. Son appartement sera ravagé par les flammes avec les initiales JD en noir sur l'immeuble un petit peu plus tard. Est-ce que ce sera d'ailleurs un acte d'intimidation, un peu comme pour Marcel Claudon? Et je voudrais savoir donc si le témoignage de Jean Dessy vous paraît pertinent ou s'il doit être écarté de l'étude de l'affaire. Merci de m'avoir écouté, félicitations pour votre répondeur et à bientôt. Alors, deux questions en une. Et en plus, c'est deux questions assez complexes hein, que tu nous as demandées. Je vous propose de regarder une petite vidéo qui va nous permettre voilà, de vraiment imprégner les lieux. Je remercie vraiment Dame Lafaux
et Jean-Michel de s'être prêtés au jeu. Et ensuite, on va attaquer Erré. Et puis après ça, on répondra aussi à la question sur Dessy. Allez, c'est parti. De passage dans les Vosges, je profite pendant quelques jours de la verdure du pays de Gérardmer ainsi que des bords de la Vologne. Je ne peux pas éviter de penser que les couleurs et les attraits de cette rivière n'auraient jamais dû être noircis par tant de haine et pour finir, par la mort d'un enfant de 4 ans. Enfant qui avait pourtant été le fruit de l'amour d'un couple véritablement uni, amoureux et dépassant la condition habituelle des simples ouvriers. Il y a quelques jours, Daniel m'a fait part d'une histoire que je ne connaissais pas, plus exactement de l'histoire d'une lettre. Une lettre écrite par une personne qui se serait accusée de ce crime abominable dont tout le monde a parlé et parle encore, mais dont ceux qui savent se taisent. Cette lettre aurait été écrite par un ouvrier qui n'était pas du coin, un ouvrier de l'ancienne usine Peau Douce, située à environ 50 km de là. Je décide alors de m'y rendre. C'est une bâtisse à l'agonie que je découvre à mon arrivée. Les vitres sont toutes cassées et sur le pignon, on peine à lire le nom Peau Douce dont on devine difficilement le texte bleu pâle. À l'évidence, il n'y a personne. Coincé entre une étendue d'eau et la rivière, se trouve un canal. En le longeant, j'y croise un homme âgé qui promène son chien. Il est sûrement du coin. Je vais tenter de l'interroger, ou du moins essayer. Lors de notre dernière conversation, Daniel m'a demandé de retrouver un restaurant routier situé à proximité et qui se nomme le Sceau de la Truite. Cet homme le connaît peut-être. Après les échanges de politesse, je me lance et aborde le sujet. Le vieux monsieur m'écoute en s'excusant presque du regard de la réponse négative qu'il va me fournir et répond « Non, il n'y a rien de semblable dans le coin. » Étant sûr de l'authenticité de mes arguments, j'insiste en lui faisant part de certains détails. C'est là que je vois son regard changer et sans me laisser continuer, il me dit « En effet, je me souviens, mais pour le coup, vous avez plus de 30 ans de retard. » Satisfait qu'il ait renoué avec ses souvenirs, je le laisse continuer. Ça marchait plutôt pas mal d'ailleurs à l'époque. Il y avait du monde ici. Moi-même, j'allais à l'école au village et nous étions 140. « Venez, c'est juste un peu plus loin, me dit-il. » Tout en parlant, il me fait signe de lui emboîter le pas et continue la conversation. Il a l'air d'apprécier d'avoir de la compagnie. « Nous y sommes, c'est en face, dit-il en me montrant du doigt l'autre côté de la rivière. Je me tourne et aperçois une imposante bâtisse tout en longueur. Elle a dû accueillir du monde, me dis-je intérieurement. Interrompant ma réflexion, le vieux monsieur m'indique regretter le temps où la France produisait encore. Pessimiste, il dit qu'un jour, nous ne représenterons plus rien, à l'instar de cette carcasse qu'il y a quelques décennies encore rayonnait et donnait travail et fierté à tout un bassin. Il désigne ce paquebot échoué là, ce fantôme qui autrefois produisait des couches pour bébés et qui aujourd'hui n'accueille plus que des courants d'air. C'est vrai qu'aujourd'hui, le coin est calme. L'épave de cette usine semble avoir coulé ici dans un silence fracassant. Je continue mon chemin le long du canal. Au bout d'un kilomètre, je décide de faire demi-tour. Un bateau franchit une écluse et s'arrête. Un garde du canal vient d'arriver dans une automobile toute blanche. Il en descend et déclenche un mécanisme qui ne m'avait encore jamais été donné d'admirer. Un pont tournant. À la force de ses bras, il pousse et fait tourner le pont jusqu'à ce que celui-ci s'aligne le long de la berge. Voilà, c'est fait. Le bateau passe. Je salue cet employé dont les prédécesseurs devaient certainement, à l'époque, vivre chacun à proximité de chaque ouvrage. Il semble lui aussi heureux. Peu de monde semble s'arrêter pour le regarder manœuvrer ce morceau d'histoire. Je vais maintenant quitter ce lieu de nature magique et cette épave d'usine. Une de plus, comme si tout devait nous échapper, comme si nos braves bras français ne pouvaient plus produire de couches, de pneus ou que sais-je encore. Je m'éloigne et en partant sur la droite, je revois une dernière fois cet imposant bâtiment situé le long de la route.
C'était cela, le saut de la truite. J'en prends quelques images et je laisse Radio YouTube vous conter cette anecdote. Encore une fois, merci à Jean-Michel et Dame à la Faux. C'est vraiment sympa quand tout le monde se prête au jeu. Donc maintenant, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Erré, c'est un nom qu'on entend souvent. Electra, qu'est-ce qu'on peut dire de ce personnage? Alors bien sûr, oui, ça fait partie de ces pistes un peu périphériques qui sont citées dans le non-lieu. On a la chance que, en ce qui concerne René Erré, justement, le non-lieu est très détaillé. Donc je crois que le plus simple, c'est de le lire tel que, parce qu'il donne bien tous les renseignements dont on dispose. Le juge d'instruction d'Épinal avait reçu, par l'intermédiaire du journal La Liberté de l'Est, une lettre expédiée de Thionville le 29 mars 1986, dont l'auteur, qu'il avait signé des initiales RH, disait se trouver dans un village de la Moselle, travailler dans les Vosges au service de la société Peau Douce de Tunimont, où il avait conduit le camion numéro 6376HY59, se prétendant atteint d'une maladie incurable, il s'accusait d'avoir été payé par Bernard Laroche, rencontré au café le saut de la truite chez Durand pour tuer Grégory Villemain. Voilà ce que nous dit le non-lieu. Donc, on comprend que cette lettre qui a été transmise par l'intermédiaire d'un journal qu'il avait reçu, le commissaire Corazzi et son équipe ont enquêté de façon assez légère et apparemment leurs investigations n'ont pas abouti. C'est pas vraiment une surprise. On sait que l'enquête du SRPJ a quand même été essentiellement axée sur Christine Villemain et sur la mère et que tout ce qui était un peu périphérique ne les a pas beaucoup mobilisés. Et il a fallu donc attendre le supplément d'instruction et le président Simon pour que l'affaire soit reprise. Et à ce moment-là, on a détaché auprès de Simon deux gendarmes de la gendarmerie de Bruyères, donc de la première équipe d'enquêteurs, et qui, eux, ont réussi à vérifier, finalement, tous les éléments qui étaient précisés dans cette lettre. Tout s'est avéré exact. Cette auberge existait bien, le propriétaire avait bien ce nom-là, René Erré existait bien, il était bien atteint d'une maladie qui l'a emporté un peu plus tard. Le camion qui portait cette immatriculation existait également. Alors, ce n'était pas lui le chauffeur habituel, mais je crois qu'on a pu montrer qu'il lui était arrivé quand même de le conduire de temps en temps. Par contre, le lien est plus difficile à établir avec les témoignages de Madame Hatton, parce qu'il n'est pas certain que ce monsieur possédait un autre véhicule immatriculé en Moselle. On n'a pas pu donc établir des attaches avec la Moselle. Alors, sa famille, par contre, ne reconnaît pas du tout son écriture et bien sûr juge impossible que cet homme, qui n'avait rien d'un délinquant, ait pu se livrer à un acte pareil, d'accepter d'être un tueur à gages pour un commanditaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, on apprend qu'il est décédé en 89, alors que la lettre, elle est envoyée en 86. Donc, effectivement, c'est dommage qu'à l'époque, ils n'aient pas essayé d'en savoir plus, parce qu'on aurait pu encore parler avec lui, l'interroger et en savoir plus. C'est sûr. Là, il y a eu 3 ans de perdu qui auraient pu permettre d'éclaircir ce mystère, quoi. Moi, j'ai retrouvé le nom de sa femme, hein, de l'époque, de sa veuve, qui s'appelle donc Cantonelli, qui venait du coin, qui était née à Arceau. Donc, c'est vraiment juste à côté. Malheureusement, elle aussi, elle est décédée en 2007 à Brive-la-Gaillarde. Ça va être dur d'en savoir plus. Par contre, toi, tu as eu l'occasion de parler avec son fils, je crois. Oui, sur l'ancien forum de Claude Sinès, son fils est venu s'inscrire un jour et est venu défendre son père et la mémoire de son père. Ça devait être en 2010, je pense. Dans ces années-là, il est venu redire avec force que c'était pas l'écriture de son père, que personne dans la famille ne l'avait reconnu, que même si les éléments qui figuraient dans cette lettre, les éléments matériels étaient exacts, la lettre n'était certainement pas de son père, malgré les initiales RH. Enfin, il défendait vigoureusement l'image de son père. Et il souhaitait qu'on arrête de citer son nom.
voilà, à la rigueur, il tolérait qu'on utilise ses initiales, parce que j'avais essayé de lui faire comprendre que c'était très difficile de ne pas parler de cet élément du dossier, et dans la mesure où il figurait dans le non-lieu, par la force des choses, ce pauvre homme, même s'il y était pour rien, son nom était du coup en procédure. Mais enfin, il était, visiblement, la famille ne croyait pas un mot de cette histoire, et pensait plutôt qu'il avait été utilisé soit par un collègue indélicat, soit par quelqu'un qui, sans doute, il fréquentait lui aussi le Sceau de la Truite, un autre des habitués de ce restaurant aurait pu le connaître, être au courant de son état de santé, s'être dit de toute façon, voilà quelqu'un qui est en fin de vie, alors tant qu'à faire, autant en profiter pour tout lui mettre sur le dos, quoi. Quelque chose de ce genre. Tout à fait. D'ailleurs, on peut en parler aussi. Hein. D'après toi, est-ce que ça paraît plausible ? C'est vrai qu'on sait que Marie-Ange et Bernard, ils aimaient bien aller dans les routiers. Et donc là, le Sceau de la Truite, c'est vrai que c'est un petit routier. Après, c'est quand même assez loin, je trouve. Hein. C'est à peu près à 40 km de Grand-Jaumont-Zay. D'après toi, est-ce que c'est plausible ? Moi, je pense que c'est plausible. Ce sont pas des distances si extraordinaires. Il faut pas oublier que Marie-Ange, elle travaillait à Gérardmer, ce qui est quand même pas tout près. Hein. Et ça, c'est un trajet qu'elle faisait tous les jours. Je pense que les gens, quand même, se déplaçaient facilement en voiture. C'est un très bel endroit. On l'a vu sur les images, là. C'est vraiment charmant. Et c'est vrai que Marie-Ange aimait bien. Hein. Et on sait qu'elle fréquentait beaucoup le milieu des routiers. Peut-être que c'était un lieu qu'ils aimaient fréquenter, elle et son mari. Ça me paraît très possible, très plausible. Alors, c'est vrai qu'on s'est posé la question, bien sûr, puisque cette lettre est parvenue bien après la mort de Laroche. On s'est posé la question, est-ce que ça pourrait être une manœuvre de la famille et de la famille Paul et bien sûr de sa veuve pour essayer de l'innocenter rétrospectivement. Mais en réalité, ça ne paraît pas possible puisque la lettre le désignant comme le commanditaire, ça ne l'innocente pas du tout. Voilà, donc ça paraît très peu plausible de mettre une manœuvre de ce genre sur le dos de Marie-Ange. Par contre, ce qui est possible, c'est que s'ils fréquentaient ce café, enfin ce restaurant, eux aussi y étaient connus, et donc le sort de Bernard Laroche y était connu. Bon, de toute façon, ça avait été suffisamment publié dans les journaux. Peut-être des gens, ça leur a donné l'idée de monter cette espèce de fable, puisque pour la famille, en tout cas, ce n'est pas plausible. Et bon, c'est vrai qu'on peut d'ailleurs se demander de quelle manière, même si Bernard Laroche avait voulu prendre un tueur à gages, comment l'aurait-il payé avec son salaire d'ouvrier ? Pourquoi cet homme qui était en fin de vie aurait-il accepté de commettre un acte aussi terrible, gratuit, pour un gain dont il n'aurait même pas le temps de profiter, puisqu'il était atteint de cette maladie incurable ? On voit pas très bien la logique de tout ça. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, Daniel, mais Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que malheureusement, c'est entre 86 et 89 avant qu'il décède qu'on aurait pu en savoir plus et que du coup, ça reste un mystère. Alors, soit il y a vraiment un lien, et s'il n'y en a pas, en tout cas, ça nous montre que ce genre d'intrigue avec des lettres, des corbeaux qui dénoncent des gens, tout ça, c'est quand même quelque chose d'assez commun dans le coin. Oui. Et d'autant plus que cette lettre, alors ce qui est quand même étrange dans cette lettre, c'est que c'est pas une lettre fantaisiste. C'est pas un pastiche du corbeau, c'est pas une blague, elle a pas un ton comme ça un peu dérisoire ou caricatural. Non, c'est une lettre sérieuse, grave, et dont tous les éléments se sont avérés exacts. Et donc, on n'en comprend pas le but, on ne voit pas dans quel sens et dans quel intérêt cette lettre aurait été faite. Et malheureusement, on a raté l'occasion, comme tu disais, d'avoir des explications, puisqu'on n'a pas réussi à interroger cet homme de son vivant, et ni même sa veuve, qui est morte nettement plus tard. Moi, je crois quand même que, là, c'est une opinion personnelle, mais il y a des années que je le pense, je crois que c'est une porte qu'il faudrait fermer définitivement, on n'en saura peut-être jamais plus, mais que le seul moyen de la fermer, ça serait, en effet, de faire une comparaison ADN. Plus les années passent, plus c'est difficile d'espérer pouvoir prélever de l'ADN sur les affaires d'un défunt, parce que petit à petit, la famille s'en débarrasse. Mais enfin, bon, peut-être qu'il existe encore moyen de récupérer de son ADN, je ne sais pas, sur des livres, sur des objets qui lui ont appartenu, peut-être sur des vêtements, s'ils en ont encore.
Il a de toute façon une descendance, ce monsieur, puisque donc on a eu l'occasion de rencontrer, si j'ose dire, enfin virtuellement, son fils. Il y a peut-être aussi des petits-enfants, donc il y a peut-être une possibilité de reconstituer l'ADN de cette manière, ce qui serait quand même le mieux pour éviter une exhumation, bien sûr, qui est toujours une épreuve pour les familles. Mais je crois que ça serait nécessaire quand même que cet ADN soit oscillé et soit comparé. Très probablement, il sera éliminé, mais au moins, on en aura le cœur net. On saura que cette piste est définitivement fermée. Je suis d'accord avec ça. Donc, espérons que ça se fasse et peut-être qu'on aura plus d'informations d'ici quelques mois. Donc voilà pour Erré. Et puis maintenant, c'était la deuxième question qui était aussi une bonne question, mais assez compliquée aussi, c'est Dessie. Dans la question, il y avait déjà pas mal d'éléments, donc on va quand même revenir dessus. Donc effectivement, Jean-Gustave Dessie était artiste peintre en fresque à Ivry-sur-Seine, donc en région parisienne, il avait 61 ans. Donc il n'était pas du coin, mais sa femme avait une résidence secondaire à Charmoix devant Bruyères. Donc je vais vous mettre la carte, comme ça, ça va vous permettre de mieux situer l'endroit. Donc Charmoix, c'est juste au-dessus de Docelles. Et Jean Dessie, en fait, lui, va voir à deux reprises un véhicule vert. Donc la première fois, c'est le 16 octobre, c'est vers 17h15, donc c'est quand même assez intéressant parce que c'est plus ou moins l'heure de l'enlèvement. La deuxième fois, c'est le jour des obsèques, donc le 20 octobre. Et cette fois, il va voir la même voiture verte à peu près au même endroit. Et en plus, il va voir des gens. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Donc le 16 octobre, hein, il cherche des champignons, il est sur sa mobilette. Il va donc aller à l'intersection Mossoul-Abaf. Donc là, apparemment, il y a un petit parking pour véhicules. Il s'arrête, il cherche quelques champignons, et puis finalement, il retourne via la D159 en direction de Chenuménil. Et quand il arrive donc à cette intersection que vous voyez sur la carte, il aperçoit à cet endroit le véhicule. Il arrive chez lui vers 17h30 et appelle sa femme. Donc il a réussi comme ça à reconstruire plus ou moins le trajet et il est assez sûr de cet horaire. Ce qui est intéressant aussi avec Dessie, c'est que lui, il a même sa propre théorie en fait de ce qui aurait pu se passer avec la voiture verte qu'il a vue. Donc là, c'est surtout par rapport au 16 octobre. Faut savoir qu'à l'époque, la route principale passait juste devant ce qu'on appelle la ferme Tachée. Donc aujourd'hui, ça a beaucoup changé, c'est plus les mêmes échangeurs et pas tout à fait les mêmes routes. Comme vous voyez là sur les images d'archives, on pouvait passer donc de l'échangeur où il a vu la voiture et passer par le chemin de Vautimont, qui débouche donc directement sur la Vologne. Et donc Jean Dessie, lui, il avait vraiment cette idée que le criminel aurait pu agir de la sorte et que c'était un endroit idéal finalement pour déposer un corps. Ce que moi, personnellement, je trouve un peu difficile, on va dire, parce qu'il faudrait qu'il porte l'enfant sur 900 mètres, quelque chose dans le genre, donc c'est un peu compliqué. Mais ça pourrait être intéressant de revenir quand même un peu sur la genèse de tout ça. Par rapport à la genèse, on entend souvent parler du commissaire Dravet. Alors Electra, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Dans un premier temps, Dessie garde cette anecdote en mémoire parce qu'il est quand même très frappé par la coïncidence de deux dates importantes dans l'affaire, c'est-à-dire le jour du crime et puis le jour des obsèques, les horaires aussi. Mais bon, il ne bouge pas, il n'a pas tellement envie d'être mêlé à cette histoire et il n'en dit rien. Et mais il suit quand même l'enquête, comme tous les gens de la région, enfin lui de la désattache, sa femme, la résidence secondaire. Et quand l'enquête se met à piétiner, que ça dérape, l'assassinat de Bernard Laroche, et puis ensuite les accusations contre Christine, là il se dit à ce moment-là que quand même ces éléments qu'il a en sa possession, c'est peut-être important et qu'il faudrait qu'il les communique aux autorités. Donc, comme il réside en région parisienne, il décide de s'adresser directement. Il a un frère policier, d'ailleurs, en plus, donc il connaît un petit peu les rouages et comment ça fonctionne. Il décide de s'adresser directement à la direction de la police judiciaire. Et il est reçu par un certain commissaire Dravet, à qui il raconte toute son histoire, enfin tout ce qu'il a, ce qui s'est passé. Il lui donne les détails. Et à la fin de l'entretien, d'ailleurs, ce commissaire Dravet lui donnera sa carte de visite et va l'assurer que tout ça sera transmis à ses collègues du SRPJ de Nancy. Et donc, Dessie, à partir de ce moment-là, s'attend à être convoqué. Et puis, les semaines passent, les mois passent.
et il n'est jamais convoqué. Quand le juge Simon reprend le supplément d'instruction, finalement, il décide de prendre contact avec lui directement. Et il lui dit qu'il a des choses à communiquer. Et comme le juge Simon était très méticuleux et qu'il a toujours tout vérifié, en effet, il va convoquer Dessy et lui faire recueillir son témoignage. Et c'est comme ça que ce témoignage s'est retrouvé au dossier. Donc la première fois qu'il va voir ce véhicule, il est tout seul, il est sur sa mobylette. Et le 20 octobre, donc le jour des obsèques, là par contre, il est accompagné de Jean-Pierre Léonard. Tôt le matin, en fait, ils vont couper du bois chez Madame Thomas. Donc ils vont rester sur place jusqu'à 17h, 17h30. Et ensuite, ils vont regagner leur domicile. Jean Dessy est censé ramener Jean-Pierre Léonard chez lui à Jarménil. Et avant ça, ils décident de rapporter une tronçonneuse qu'ils ont empruntée à un certain Francis Aubry, qui lui aussi habite à Charmois-devant-Bruyère, donc la même localité que la femme de Jean Dessy. Pour rentrer de chez Madame Thomas, ils passent par Bruyère, L'Épanche, Dessimont, Dossel et puis Cheny-Ménil. Et ensuite, ils vont emprunter la N59 en direction de Charmois. Et au même endroit, ils tombent donc sur cette voiture verte. Malheureusement, Jean Dessy n'a pas pensé à relever le numéro d'immatriculation. Ce qui est intéressant, c'est que Jean Dessy, lui, il va voir plusieurs personnes. Il va même dire à son ami « Tiens, voilà la voiture du crime ». Et ce qui est intéressant, c'est que Jean-Pierre Léonard, lui, il ne s'en souvient pas. Il dit que c'est possible que son ami ait dit ça, c'est un plaisantin, donc c'est fort possible. Et il ne se souvient pas non plus d'avoir vu les personnes décrites par Monsieur Dessy. En tout cas, lui va dire que quand il arrive à cet endroit, il voit un groupe de personnes partir précipitamment dans la voiture. Il ne sait pas exactement ensuite où ils sont passés. Ce qu'on peut dire ce jour-là, c'est que Jean Dessy n'est pas en mobylette avec son ami. Il est dans une Volkswagen, donc un camion blanc, avec une antenne de type CB. Et Jean Dessy lui va déclarer que peut-être ces gens ont cru qu'il était policier. Ça paraît quand même un peu énorme que ces gens, voilà, pensent que la police est là et que du coup, ils partent un peu à la hâte. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Electra? C'est ce qui est dit ça dans l'article qui a été publié donc par le Figaro. Je trouve un peu étonnant. On apprend que ce véhicule était blanc. Alors je connais pas personnellement de véhicule de gendarmerie blanc. Donc je crois pas tellement à cette histoire qu'ils aient pu le prendre pour un véhicule de gendarmerie. C'est vrai qu'on a pu s'est posé la question. On a envisagé que ces gens étaient peut-être des pêcheurs à une période où la pêche était fermée. Et que peut-être ils n'étant pas en règle, c'est pour ça qu'ils s'étaient sauvés très vite. Mais ça pouvait être tout aussi bien de simples cueilleurs de champignons, on ne sait pas très bien. Hein. Alors ces personnes donc qu'il a vu monter, lui, c'est assez précis son souvenir, alors que son ami, lui, ne se souvient pas, il ne les a pas vus. Il dit qu'il a vu 4 ou 5 personnes. Alors il aurait vu un homme assez menu, au visage émacié, qui n'a pas beaucoup de cheveux et qui porterait un blouson de cuir assez clair, couleur chamois, quelque chose comme ça, accompagné d'une dame plus corpulente, avec des cheveux probablement gris. 1 ou 2 adolescents, une adolescente et un adolescent de 13-14 ans. Et puis, la 5e personne, là, il ne précise pas si c'est un adulte ou si c'est un adolescent. Comme il ne le précise pas, on peut imaginer que c'est peut-être aussi un adulte ou un jeune adulte, peut-être. Donc voilà, les gens qu'il décrit. Et il dit que en voyant dans le journal, dans l'Est républicain, il y a des photos de l'enterrement qui ont été publiées le lendemain, et puis des reportages télévisés. Il a l'impression de reconnaître ce monsieur sur les images des obsèques de Grégory. Comme il a vu aussi des portraits de Jacquel, il trouve qu'il ressemble un peu à Jacquel. C'est pas forcément très convaincant pour 2 raisons. D'une part, on sait que Jacquel n'était pas aux obsèques, puisque on les avait priés de ne pas y venir pour éviter les incidents. Et d'autre part, c'est vrai que Jacquel était assez menu, mais il avait encore beaucoup de cheveux à cette époque-là, dans les images de lui qu'on peut voir. Et
Ah oui, en plus, il croit se souvenir que cet homme portait des lunettes. Or, Jacquel, à ma connaissance, enfin, moi, je n'ai jamais vu de photo de Jacquel avec des lunettes. Donc, il y a quand même un doute aussi à ce niveau-là. On a passé à d'autres images qui n'avaient pas forcément été publiées, trois bandes vidéo de cet enterrement, et finalement, il ne reconnaît plus. De façon formelle, il n'arrive pas à identifier quelqu'un à coup sûr. En tout cas, à coup sûr, on peut penser que ça n'était pas Jacquel, parce que c'est certain qu'il n'était pas aux obsèques. Ça, c'est une certitude. Voilà ce qu'on peut dire. Intéressant. Il y a aussi une autre information, hein. Donc il était dans une camionnette blanche, on voit qu'il est passé par l'épange d'Ocelle, etc. Qu'on peut aussi se poser la question, voilà, est-ce que c'est pas la personne qui a vu Jean-Pierre Michel? Mais bon, ça me paraît peu probable. Sinon, il y a une autre information qui a rendu Jean Dessy assez populaire, en tout cas qui l'a fait connaître on s'est posé des questions. Le 27 février 88, le Figaro Magazine fait état des révélations de Dessy, et le lendemain, son domicile est ravagé par un incendie d'origine criminelle, ça c'est certain. Donc apparemment, il y a dans le hall de son immeuble un incendie. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que sur la porte de l'immeuble, il y a les initiales GD, donc Jean Dessy, qui sont peintes à la peinture noire, donc sur la porte de son immeuble. T'en penses quoi, toi, de tout ça, Electra? C'est vrai que cet incendie, c'est frappant. Il n'y a pas de doute. Bon, on a deux versions, une version un peu minimaliste, disons, dans laquelle c'est simplement un couloir de son immeuble qui aurait fait l'objet d'un incendie. Il y a ces initiales JD en bas, quand même, qui ont été taguées, c'est frappant. Mais le Figaro Magazine, le lendemain de cet incendie-là, c'est-à-dire le surlendemain du premier article, fait état vraiment d'un incendie de son domicile. Alors bon, quelle version choisir entre les deux? Ça, on ne sait pas très bien. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un lien ou pas, et d'ailleurs, dans le non-lieu, c'est à peu près ce qu'ils disent. Hein. Dans les deux cas, ça a sûrement fait peur, en tout cas, à des gens qui ont peut-être eux aussi subi des menaces d'incendie. On pense par exemple à Clodon, où c'est quand même intéressant. Et puis, on retrouve quand même un véhicule vert. Donc là, c'est une R5 verte. Qui avait des R5 vertes, d'ailleurs, à cette époque? Alors, ils ont recensé un certain nombre de voitures vertes dans le département, une cinquantaine, je crois. Mais dans l'entourage familial, il n'y en a guère que deux de R5 vertes. Il y en a une qui appartenait à Patrick Jacob, qui était agent de l'ONF et qui est le fils d'André Jacob. Et un autre cousin, Marc Jacob, qui est un fils de Georges, qui lui aussi possédait une R5 verte d'un vert un peu plus clair. C'est apparemment les seuls dans l'entourage familial proche. Ces gens-là ont quand même l'un et l'autre des alibis, hein, et pour le jour du crime, et pour les obsèques, où je pense que et Marc et Patrick étaient certainement présents. Donc voilà, là encore, il y a une inconnue, enfin... On ne sait pas quoi envisager. Qu'est-ce que seraient venus faire ces gens qui auraient pu être en rapport avec le crime? Anacrim envisage éventuellement que ça aurait pu être le lieu de remise de l'enfant, et puis qu'alors, à la deuxième fois, le jour des obsèques, ils seraient venus nettoyer, par exemple, le lieu de séquestration, puisqu'il y avait un cabanon un peu plus loin que la ferme Tachet, où l'enfant aurait peut-être pu être séquestré. Ça paraît difficile quand même. Tout ça, c'est très loin de la Vologne. C'est pas très facile d'accès. C'est à peu près la seule piste qu'on pourrait envisager, mais c'est pas très probant. On peut pas trouver ça très probant. Et donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça? Moi, personnellement, j'ai du mal à y adhérer, mais bon, c'est quand même un élément qu'on entend souvent, qui refait souvent surface, en fait, quand on enquête sur l'affaire. Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'en pense un peu la même chose que toi, c'est-à-dire que on voit pas très bien comment intégrer cet élément. C'est vrai que c'est troublant. Il y a des choses troublantes, mais ça fait partie un petit peu de ce que j'appelle les pièces en trop du puzzle. C'est-à-dire des éléments comme ça qui paraissent avoir un rapport avec le crime. Il y a des coïncidences de date, il y a des coïncidences de lieu. Alors on se dit c'est probablement lié. Et puis finalement, quand on essaye d'articuler ça avec le reste, on a du mal. Ça fait double emploi avec d'autres événements où ça ne s'articule pas bien avec le reste.
Et on a l'impression comme ça qu'on a des morceaux qui ne rentrent pas bien. On en a d'autres hein, de ce genre-là. Le témoignage de Madame Guyot, l'histoire du sac poubelle bleu là, qui aurait été vu avant 17h30, la marchande de frites. Il y a quelques exemples comme ça de témoignages qui paraissent liés et puis qu'au fond, on ne sait pas où les placer et on n'est pas sûr du tout que finalement, ce sont peut-être de pures coïncidences. Voilà, j'espère qu'on aura répondu à ces deux questions très intéressantes. Ouais, tu as cette équipe, ici l'horloger. Donc voilà, déjà, je vous remercie pour le travail que vous faites, parce que franchement, je trouve ça super intéressant. Donc voilà, ma question la suivante. J'ai ouï dire un jour, il me semble, que Marie-Ange Laroche avait été inquiétée dans une affaire de corbeautage avec ses voisins. Donc ça, c'était avant l'affaire. Moi, j'aimerais savoir si vous avez des infos dessus, si c'est avéré. Je ne sais plus où j'avais entendu ou lu ça, honnêtement, je ne me rappelle pas du tout. Mais il me semble qu'elle avait une plainte à la police parce que justement, il y avait une affaire de corbeau avec ses voisins. Enfin, voilà. Donc, est-ce que vous avez des infos là-dessus? Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, très bonne question. C'est vrai que on entend souvent parler de corbeautage à Lavelines, tout ça. On a eu accès à quelques PV ou quoi. On peut constater que c'est vrai. Est-ce que toi, Electra, t'as déjà entendu parler de corbeautage en lien avec Marie-Ange? Je crois qu'une fois, tu m'avais raconté une anecdote. Oui, effectivement, on avait appris ça. Et c'est quelque chose qui remonte à très longtemps et bien longtemps avant l'affaire. C'était probablement du temps où Marie-Ange était encore adolescente, peut-être vers 76, 77 peut-être. Enfin, elle était encore, elle devait être encore adolescente. Et on a appris, en effet, par un témoin de la famille, Ollard, qui était venu en parler sur le forum de Claude Tinès et qui avait raconté que les Ollard, alors, lequel des deux couples, ou peut-être les deux couples, Daniel et Chantal d'un côté et Ghislaine et Claude de l'autre, étaient harcelés par un corbeau téléphonique. Ils ont été apparemment parmi les premiers à avoir le téléphone à Lavelines et ils recevaient des appels. Alors, il n'y aurait pas eu de lettres, ça serait uniquement des appels téléphoniques très désagréables et qui les dérangeaient tout le temps. Alors, on ne nous a pas jamais précisé exactement la nature de ces appels, mais enfin, c'était probablement des persécutions un petit peu à caractère scabreux, plus ou moins, des accusations de coucherie, comme il y en a beaucoup d'ailleurs à Lavelines, il y a beaucoup de cancans de villages de ce genre qui circulent, et ça devait porter probablement sur une thématique comme ça. Et ces braves gens donc étaient très embêtés par ces appels, ça a peut-être pas duré extrêmement longtemps, mais enfin ça a dû durer plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. Et ils étaient désarmés, ils n'avaient même pas l'idée de porter plainte, ils ne voyaient pas bien ce qu'ils pouvaient faire. Et puis, il se trouve qu'ils ont démasqué eux-mêmes, tout seuls, leur corbeau par un concours de circonstances. Alors, c'est un récit, hein, encore une fois, il n'y a pas eu de plainte de déposée, on n'a pas de preuves de ces événements-là, mais enfin, c'est ce qui a été raconté par un membre de la famille Ollard. Apparemment, Marie-Ange, comme plusieurs des enfants bols, enfin, c'était des familles où on buvait beaucoup, et elle buvait pas mal, et ils l'ont rencontrée dans la rue, enfin, ils étaient voisins, et elle était particulièrement éméchée ce jour-là, bien que très jeune, et ils se seraient un petit peu attrapés, comme ça, disputés dans la rue. De toute façon, c'était assez conflictuel, les relations, si on a bien compris. Et dans son ébriété, elle aurait lâché quelque chose que venait de dire le corbeau au téléphone, pratiquement la même forme, la même phrase ou le même thème, la même accusation. Et donc, les Ollard immédiatement lui sont tombés dessus en disant « Mais c'est toi, c'est donc toi qui nous téléphone, c'est toi qui nous persécute comme ça. » Et prise de panique, Marie-Ange se serait sauvée en courant. Et donc, dans leur esprit, voilà, c'était une affaire réglée. Et je crois d'ailleurs que ça s'est arrêté net. Il n'y a plus d'appel et ça s'est arrêté. Donc, ils l'ont démasqué.
Alors, bon, c'est vrai que c'est sous toute réserve. Bien que ce soit un témoignage de la famille elle-même, il n'y a pas de possibilité de recouper cet élément-là, puisqu'il n'y avait jamais eu de plainte déposée. Ce qui peut quand même laisser penser que c'est peut-être vrai, et ça, on le sait de façon certaine, par contre, la famille Boll, et notamment Lucien Boll, père, fréquentait beaucoup ces Hollard, à qui on a toujours prêté des mœurs un peu libres, puisque Chantal, apparemment, elle-même s'était aménagée à trois, hein, entre Daniel, Chantal, et puis bon, un amant de Chantal qui vivait à leur domicile, plus ou moins. Daniel passait pour un grand coureur de jupons, et d'ailleurs Albert ne supportait pas qu'il vienne voir Monique en son absence, apparemment il sautait un peu sur tout ce qui bouge. On a un peu moins dit de choses du côté de Claude et Ghislaine, mais enfin là aussi quand même, il y avait des ragots de ce genre, c'était des gens aux mœurs quand même très libres. Et il s'est dit que Lucien Boll venait très souvent voir alors soit Ghislaine, soit Chantal, mais enfin en tout cas il était beaucoup chez Hollard, que peut-être Madame Boll d'ailleurs n'appréciait pas ça forcément, et en tout cas les enfants Boll ne devaient pas beaucoup apprécier ça non plus. Alors, est-ce que Marie-Ange, justement, pour défendre sa mère, ou s'est mise à persécuter ces gens au téléphone en les accusant justement de débaucher son père, quelque chose de ce genre? Bon, c'est de la spéculation. Enfin, c'est vrai que ce bruit a couru, qu'il est persistant, et qu'il y aurait donc eu des activités de ce genre de Marie-Ange quand elle était très jeune. Voilà, quand elle avait 16 ou 17 ans. Intéressant, ouais. Mais c'est vrai que ça revient souvent. Moi, j'ai cherché un peu partout. Alors, on trouve des traces de corbeautage ou quoi, mais c'est vrai que c'est surtout pendant la période de 81-82 et au-delà. Mmh. Et là, c'est vrai qu'on parle des années 70, 77, 76, et que ça revient souvent. Après, je pense que les Hollard, de leur côté, que ce soit du côté Claude Hollard ou Daniel Hollard, ils en ont jamais reparlé, hein. Apparemment non, parce que quand ils ont été arrêtés sur dénonciation de Marie-Ange, je pense que déjà ils ont été très surpris et ils s'y attendaient visiblement pas du tout. Et je pense que la garde à vue a duré quelques heures, mais enfin ça n'a pas été, je sais pas, ils ont dû être arrêtés vers 6h du soir et relâchés à 2h du matin, quelque chose comme ça. Je pense que leur principale préoccupation, ça a été de fournir un alibi, ce qui n'a pas été si facile que ça. Il a fallu faire venir donc leur ami surnommé La Belette, qui a été leur principal alibi. Puis bon, par chance, ils avaient été vus, les uns à la cueillette aux pommes, les autres à la cueillette aux champignons. Enfin, je pense que ça a été un tel choc pour eux, et c'était tellement l'urgence de fournir un alibi et de montrer qu'ils étaient étrangers au crime, que ces vieilles histoires de corbeautage qui avaient déjà au moins 7 ou 8 ans, c'était pas du tout leur priorité d'en reparler. Mais visiblement, ça n'est pas ressorti à cette occasion-là. Ce dont on a parlé par la suite, enfin, et dont on parle actuellement, puisque dans la dernière demande d'acte des parents Villemain, là, en janvier, ils ont demandé que des lettres qu'avaient reçues les Hollard, des lettres anonymes, ils auraient reçu alors à la même période qu'eux, c'est-à-dire 82-83, donc juste avant le crime, dans les années précédentes, soient également jointes au dossier, examinées, et fassent l'objet d'une étude d'ADN. Parce qu'il est possible qu'il y ait des traces ADN sur ces courriers. Mais là, il y aurait eu des courriers. Alors que le premier corbeautage dont on parle, et dont Marie-Ange Laroche aurait été accusée, enfin, pour lequel elle aurait été démasquée, c'était purement téléphonique. Il n'y avait pas d'écrit du tout. Ça aurait été seulement téléphonique. Intéressant tout ça. C'est vrai que moi, j'avais surtout entendu parler de ces lettres, et c'était assez récent, mais c'est vrai que c'est une piste intéressante. Bon, mais j'espère que du coup, on aura répondu à ta question, et je propose de passer directement sur la prochaine. Oui, bonsoir, c'est Sylvie au téléphone. J'avais une question concernant l'affaire Grégory. Voilà,
Plusieurs fois, on a entendu Michel Villemain ou Jean-Marie Villemain ou même d'autres personnes dire que le corbeau avait décrit parfaitement les tapisseries, les meubles, les situations intérieures et même ce qu'il y avait dans les assiettes à certains moments. Je me posais la question de savoir si en réduisant, par exemple, la situation de ce jour, Michel Villemain, par exemple, ou Jean-Marie, aurait pu se dire le corbeau, c'est telle personne, puisque ce jour-là, il y avait telle personne à la maison. Voilà, c'est ce qui m'interpelle, et moi je me dis que si j'invitais des gens chez moi et qui pouvaient décrire mon intérieur, j'essaierais de faire le chemin en arrière et de travailler là-dessus et de me dire, mais tel jour, lorsqu'on a mangé tel plat, ou voilà, il y avait telle et telle personne à la maison, et si forcément telle et telle personne était à la maison, c'est forcément une de ces personnes, le corbeau. Voilà, il faut savoir si vous pouvez répondre à cette question. Je vous remercie. Alors, merci à toi, Sylvie, pour cette question. C'est une question à laquelle on a beaucoup réfléchi, hein. C'est vrai que ça revient souvent. Je me suis posé la même question que toi, je pense qu'Electra c'est pareil. On se dit que c'est peut-être aussi un gros bluff, hein, du corbeau, c'est-à-dire il va entendre à droite à gauche des choses et il va se faire passer pour la personne qui a vraiment vu. On parle souvent aussi de vecteurs d'information, pense un peu à Michel. Donc c'est compliqué en fait, c'est quand même compliqué. Je sais pas ce que t'en penses toi, Electra. Ah oui, j'en pense un peu comme toi, que certainement ils ont essayé ça dans la famille, parce que c'est la première idée qui vient, c'est ce qui paraît le plus logique. Mais ce qui rend les choses difficiles, c'est que c'est une famille assez nombreuse, qui se fréquente quand même beaucoup, assez assidûment, et que leurs réunions familiales sont toujours assez nombreuses. Les déjeuners dominicaux, là, chez les grands-parents Villemain, ben, ils étaient en général 8 ou 10 à table. C'est même pour ça qu'elle n'invitait pas systématiquement Michel. Je pense qu'elle manquait peut-être un peu de place aussi de temps en temps. Ils se réunissent, ils sont nombreux. Chacun des présents fréquente d'autres personnes de la famille. Ça peut être raconté même innocemment au départ. Hein. C'est pas forcément malveillant. On peut dire, tiens, je suis allé chez les Intel, ils viennent de changer leur tapisserie, elle est assez jolie. Ou par exemple, l'histoire des buffets de cuisine là, dont on a beaucoup parlé. Voilà, j'ai le même buffet de cuisine que toi. Mais il n'y avait peut-être pas tellement de modèles de buffets de cuisine disponibles dans cette zone de prix, dans des villages qui n'étaient pas quand même avec... Il n'y avait pas d'IKEA, il n'y avait pas de grande surface comme ça. C'est assez logique que plusieurs personnes dans une famille aussi nombreuse aient le même buffet. Ce n'est pas forcément si significatif que ça. Exactement. Et puis là encore, rentre en compte le côté manipulateur du corbeau, qui est peut-être lui aussi au courant en fait, que quelqu'un sur qui veut porter la suspicion a ce buffet. Donc là aussi, il est très malin. Et moi, c'est ce que je répète à chaque fois, c'est que, par exemple, quand le corbeau fait semblant de s'être trompé en disant « on a le même buffet, ah merde !» et puis qu'il raccroche, à mon avis, c'est un gros bluff aussi. Et c'est-à-dire que là, il fait exprès. En fait, il simule une erreur de sa part pour que les gens se disent « ah, tu vois, il a fait une erreur, et qui sait qui pourra avoir un buffet similaire ?» Et puis, de fil en aiguille, les gens vont suspecter quelqu'un d'autre. Donc c'est assez subtil de sa part. Tout à fait. Ça, je pense que c'est une fausse gaffe. En réalité, d'ailleurs, ils sont effectivement 3 ou 4 à avoir le même buffet ou des buffets très très proches. Il y a des détails peut-être quelquefois qui sont plus révélateurs. Alors en plus, il faut savoir que ça se passe quand même sur plusieurs années tout ça et que les relations entre les membres ont changé. À certains moments, ils sont plus proches de tel ou tel couple. À d'autres moments, ils sont plus proches d'un autre. Par exemple, Michel, avant d'être très ami, de devenir très ami et très proche de Bernard et Marie-Ange, il a été très lié avec ce cousin Jean-Paul, qu'on retrouve un peu partout. Lui fréquente vraiment beaucoup d'autres gens de la famille. Et certainement, il colporte, pas forcément dans un but malveillant, mais visiblement, il est assez convivial, il est bavard, et probablement qu'il contribue à colporter l'information. À un moment ou à un autre, elle tombe dans l'oreille du corbeau qui, lui, est malveillant et qui va s'en servir pour faire bisquer ses interlocuteurs, pour leur laisser entendre que... Enfin, c'est sur le même,
C'est dans le même registre que j'y vais comme je veux chez toi. Je sais tout ce qui se passe chez toi, je te décris tout ce qui se passe, et tu ne sais pas qui je suis, tu ne le sauras jamais. Voilà, et là, il les fait vraiment enrager. Mais à partir d'éléments qui, en eux-mêmes, sont assez anodins et peuvent circuler assez facilement. Effectivement. Après, ce qui est sûr aussi, c'est que on voit bien que dans les informations qu'il a, que c'est quand même quelqu'un qui est très proche du cercle familial. On pense par exemple au rétroviseur. À un moment, il va de suite savoir qu'il y a cette histoire de rétroviseur et s'en moquer. Il va aussi connaître les façons de fonctionner d'autres membres de la famille. Il va par exemple appeler chez les Noël ou aussi chez Gilbert. Et il sait que, comme eux n'ont pas le téléphone, il sait qu'il faut appeler chez la voisine. Et on en avait parlé, et toi tu me disais en plus il sait exactement quelle voisine appeler. Donc c'est quand même quelqu'un qui, comment dire, si c'était que des informations sur Albert et Monique par exemple, ou que sur l'épingle. Mais là on voit qu'il a des informations vraiment sur tout le monde, qui connaît aussi voilà des petites subtilités. Donc vraisemblablement c'est quand même quelqu'un qui est très très proche du cercle familial, ou en tout cas qui est ami avec quelqu'un qui est très proche. C'est pour ça qu'on a souvent parlé de Michel, vecteur d'information, etc., etc. Oui, puis il y a des détails vraiment très intimes et très familiers. Par exemple, que Albert est allergique au savon et ne peut se laver qu'à l'eau de Cologne. Ça, ce sont des choses vraiment, ça se sait au sein d'une intimité familiale très proche. Il n'y a pas de raison que ça se sache sur son lieu de travail, chez les commerçants et encore moins dans un autre village. C'est quand même, oui, c'est vraiment de l'ordre de l'intime. Les maladies des uns et des autres, très réelles, hein, dans le cas de la pauvre Marie-Christine, la femme de Gilbert, qui est atteinte d'une leucémie alors qu'elle est très jeune et qu'elle en mourra d'ailleurs prématurément. Le corbeau se moque de cette maladie, il dit qu'il parle de cinéma. En réalité, elle est réellement malade et je pense qu'elle avait déjà une grande fragilité et certainement des malaises à répétition. Et ça, c'est quelqu'un de la famille, forcément. C'est pas des choses dont on se vante à l'extérieur. Et ni qui se savent, même les voisins, etc. Ça se cache un peu, ce genre de détails très tristes. Et je pense que vraiment, ça marque que c'est à l'intérieur du cercle familial. Exactement. Et puis, il y a aussi l'épisode de la soirée choucroute. Et là, on sait que Jacqueline avait une façon de s'habiller qui était assez particulière. Le corbeau va s'en moquer. Mais finalement, on s'aperçoit que, comment dire, la façon dont il en parle, on voit qu'il n'y était pas, avec le recul. Mais c'est vrai que sur le premier coup, en fait, les gens qui étaient à ce dîner ont commencé à se suspecter les uns les autres. Et d'ailleurs, toi, tu m'en parlais dans le livre de Solano, apparemment. Jean-Marie revient un peu sur sa première impression. Oui, parce que en fait, ce qui a beaucoup joué, c'est la coïncidence de date. C'est-à-dire qu'il y a ce dîner qui était un dîner de réconciliation au départ. Donc, les invitations avaient été larges. Mais Michel et Ginette n'ont pas voulu y aller. Et Bernard Laroche et Marie-Ange n'étaient pas conviés, ou n'étaient en tout cas pas présents, et non plus Marcel et Jacqueline, hein, pour rester sur ces trois couples qui sont les plus suspects, on va dire. Ils n'étaient pas présents, et pourtant, la lettre arrive deux, trois jours après, et donc tout le monde fait le lien avec cette soirée. Et toute la famille commence à s'inquiéter en se disant « y a pas de doute, c'est l'un d'entre nous ». Et à nouveau, on réaccuse Liliane et on réaccuse Jackie. Bon, ils recommencent à s'emballer les uns les autres. Et puis, au bout de quelques jours quand même, peut-être d'ailleurs sur les conseils du gendarme Féru, qui a peut-être été un peu apaisant dans ce… Il leur fait remarquer qu'il y avait des détails beaucoup plus frappants dans cette soirée qui n'ont pas été cités, que les accusations du corbeau dans cette lettre pourraient s'appliquer pratiquement à n'importe quel autre repas familial, puisqu'ils se réunissaient très régulièrement. Ça pourrait très bien être la même chose pour les déjeuners dominicaux réguliers chez les grands-parents villemains. Il n'y a pas de choses qui soient directement reliées à cette soirée-là. Par exemple, dans cette soirée-là, on sait que Albert, Jean-Marie et Jackie avaient beaucoup bu. Jackie est même tombée de sa chaise. On sait que Jean-Marie et Liliane ont fini par pleurer dans les bras l'un de l'autre et se sont plus ou moins réconciliés. Ces choses-là, la lettre n'en parle pas du tout. Elle se contente d'épingler des choses qui sont monnaie courante dans la famille,
ton gendre nonoche, en s'adressant à Monique, qui est ton préféré, tu le préfères même à tes fils, donc Marie-Christine qui fait du cinéma avec sa maladie, Jacqueline qui est une pimbèche, qui est ridicule. Enfin, bon, ce sont des critiques qui pourraient être portées à n'importe quel autre moment. Donc, ce n'est pas certain que ce soit à ce dîner qu'il y ait une allusion. Mmh. Et c'est pour ça, pour conclure, en fait, moi, l'impression que j'ai, c'est que ce corbeau, il utilise en fait un VPN, pour faire un parallèle avec le monde d'Internet d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il utilise toujours les connaissances qu'il a eues à droite, à gauche, pour donner l'impression qu'il est omnipotent, tout ça. Et son bluff a souvent bien marché. Après, je pense que voilà, si on fait des déductions simples, on n'arrivera pas à trouver quelqu'un. Je pense que ça, c'était conscient de sa part. Voilà. Donc, c'est une question intéressante et en même temps qui nous montre plutôt voilà l'habileté de ce personnage à manipuler les gens. Donc, j'espère qu'on aura répondu à cette question. Salut Salomé, je suis vraiment content de t'avoir parmi nous sur Radio YouTube. J'avais vraiment apprécié ton message sur Clouseau que tu nous avais laissé sur le répondeur et malheureusement je trouve que le format, comme je l'avais dit d'ailleurs sur un de nos lives, il n'est pas vraiment adapté à ce genre de théorie et je trouvais ça dommage de laisser ça un peu dans les oubliettes, c'est pour ça que je suis vraiment content de t'avoir. Donc toi t'as une théorie sur Clouseau, le film, et tu trouves des synchronicités entre le modus operandi du corbeau et le film de Clouseau. Donc Salomé, c'est à toi. Merci Daniel et merci Radio YouTube de m'avoir invité. C'est vraiment top de passer de l'autre côté. Et c'est vrai que j'aimerais développer avec vous une petite théorie concernant ce qui aurait pu inspirer le corbeau, à la fois dans l'idée même de commencer le corbeautage et surtout dans sa méthode. D'après Denis Rebert, dans son ouvrage « J'ai tué le fils du chef », le corbeautage aurait commencé dès 1977. Et en effet, comme on vient de l'entendre dans la capsule sur Marie-Ange, la famille Hollard en a été victime. Il est très probable que les Hollard ne soient pas les seules familles cette année-là qui fut victime du corbeautage sans forcément en faire état à la gendarmerie. Sans doute parce qu'il y a eu très peu de conséquences et que ça s'est arrêté aussitôt que ça a commencé. Comme une forme de test, un essai, juste pour voir. Et ce qui est intéressant avec l'année 77, c'est la mort de Clouseau début janvier. Il y a cette tradition dans le milieu du cinéma et de la télévision. Lorsqu'un réalisateur de l'envergure de Clouseau meurt, on repasse souvent ses films dans les semaines qui suivent sa mort. C'est un hommage. Alors, pour l'instant, je n'ai retrouvé aucune programmation télé du Corbeau avant 82. Je reviendrai là-dessus plus tard. Par contre, une rétrospective de ses plus grands films dans les cinémas autour de l'Aveline, l'Épange, Docelle, Grange, voire Épinal, c'est plus que probable. J'attends encore la confirmation de Cinédi qui garde tous les bordereaux d'exploitation. Donc on aura le programme très spécifique de ce film dans les années 70, dans les Vosges, enfin dans le coin, jusque dans les années 82-83. Donc j'attends cette réponse de Cinédi avec vraiment beaucoup d'impatience. Il faut savoir quand même que dans les années 70 et jusqu'à l'apparition des magnétoscopes et des vidéocassettes à l'achat ou à la location, le cinéma c'est vraiment la grande sortie qui ne coûte absolument rien. Les cinémas sont pleins à craquer, les places elles sont extrêmement économiques. Quand on a 2 heures à tuer, on va au cinéma. Et c'est le divertissement préféré des familles d'ouvriers et des jeunes amoureux qui sont fauchés. Quand on a 50 ans en 77, d'après moi, on a déjà vu le corbeau. Soit à sa sortie, parce qu'il est sorti pendant la guerre et ça a fait un grand scandale, il en a même été censuré, ou alors dans les années 50 quand il a été réhabilité. Quand le film ressort en 77 pour faire hommage à Clouseau, et qu'on a 50 ans, ce film on l'a déjà vu au moins une fois. Et quand on a 70 ans, non seulement on connaît ce film, on l'a déjà vu, mais on connaît probablement l'affaire qui l'a inspiré et qui date des années 20. Parce que ça a créé un retentissement et un vrai feuilleton judiciaire dans les journaux et à la radio. Et c'était au niveau national.
C'est extrêmement difficile de passer à côté de ce fait divers. C'est d'ailleurs pour ça que Clouseau en a fait un film 20 ans après. Ce corbeau se passait à Tulle, et de manière très spécifique, ce qu'on peut en retenir, c'est que ce corbeau détruisait les réputations et surtout s'attaquait au petit chef. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, parce que cette formule « le petit chef », évidemment, ça fait tilt. Et enfin, dernière catégorie, quand on a moins de 20 ans, en 77, c'est la première fois, selon moi, que l'on voit le film. C'est une vraie découverte. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'une seule vision du film ne permet pas de comprendre la méthode extrêmement sophistiquée du corbeau. Car justement, et c'est mon deuxième point, ce film est un vrai petit manuel de corbeautage. Et tout manuel de corbeautage a ses propres règles. Règle numéro 1. Comment détourner les soupçons sur une personne qui a toutes les raisons de corbeauter? Et en général, une personne qu'on n'apprécie pas trop. En effet, le film présente dès la première scène une infirmière au tempérament tranché et extrêmement franc. Elle juge vraiment beaucoup, elle juge tout le monde. Sa petite sœur, les médecins, les patients. Elle est assez détestable. Elle juge, mais elle est extrêmement honnête. Et justement, son honnêteté, c'est sa pire ennemie dans cette histoire. Et pour l'accuser, le corbeau, il fait une chose très, très simple. Dans une de ses premières lettres, il la défend. Il la défend avec des mots exagérément doux et bienveillants. Et ça suffit pour créer le portrait du coupable. À partir de cette lettre-là, tous les soupçons se dirigent sur elle. Règle numéro 2, maquiller son écriture. En effet, vers le milieu du film, une dictée est mise en place en mettant en avant le fait qu'elle sera très longue, pendant des heures, afin de fatiguer le corbeau, qui a sans doute maquillé son écriture, par certains procédés qu'on nous explique dans le film. Et plus la dictée est longue, et plus le corbeau va perdre, entre guillemets, ses fausses habitudes d'écriture et reprendre ses vraies habitudes d'écriture où il pourra être découvert. Donc ça, c'était la règle numéro 2. Règle numéro 3, je pense que c'est vraiment un must-have, faire partie des premières victimes du corbeau pour ne pas attirer l'attention. C'est un peu bizarre si, au fond, tout le monde reçoit une lettre et que vous, vous n'en recevez pas. Règle numéro 4, choisir la personnalité la plus fragile et la pousser au suicide. Ça, c'est vraiment, dans le film, quelque chose qui arrive finalement extrêmement tôt. On comprend pas trop pourquoi est-ce qu'il faut pousser, c'est quelqu'un qui en fait est déjà atteint d'une maladie extrêmement grave et qui est revenu à l'hôpital pour y mourir, mais il ne le sait pas. Et il va recevoir une lettre qui lui annonce la vérité. Et je pense que ça rentre, après réflexion, dans la tentative de détourner les soupçons sur cette infirmière. Parce que cette infirmière considère qu'on devrait lui dire la vérité à ce jeune homme, qu'il ne devrait pas mourir dans l'ignorance. Règle numéro 5, cibler le plus de monde possible afin de créer une contagion de corbeautage. Les victimes se mettent elles-mêmes à corbeauter, et plus il y a de gens qui corbeautent, et plus il y a de suspects, et vous, en tant que corbeau, vous passez donc un peu plus inaperçu. Et enfin, règle numéro 6, qui me semble être l'une des plus importantes, mettre en place une surveillance étroite en utilisant divers informateurs sans qu'ils en aient conscience. C'est bien connu, les gens parlent. Les gens aiment parler. Les gens aiment dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont vu. Ils aiment juger aussi et faire partager leur jugement. Et le corbeau, on le voit dans le film, avec une écoute au final, une bonne écoute, parce que les gens adorent qu'on les écoute, ces gens, vous savez, qui parlent, on peut récupérer un certain nombre d'informations qui placent au final le corbeau dans une forme d'omniscience où on se pose cette question, mon Dieu, mais comment sait-il tout ça? Il le sait parce qu'il utilise ce que vous lui dites, tout simplement. Ceux qui connaissent bien l'affaire, a priori, si vous nous écoutez, c'est le cas, en tout cas, elle vous intéresse, sans doute que vous verrez, comme moi, les troublantes similarités en termes de méthode. Mais ce que moi je trouve le plus troublant encore, ça concerne le mobile
et la double identification aux méchants et aux gentils. C'est très rare, en tout cas jusque dans les années 2000-2010, dans les films, dans les séries télé, dans les livres, on ne s'identifie pas aux méchants. Aujourd'hui, c'est assez simple de s'identifier aux méchants parce que on nous explique pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait. Et ce sont toujours des raisons extrêmement humaines. Donc c'est facile, même si on n'a pas forcément d'empathie. En tout cas, c'est pas si compliqué que ça, et notamment, on peut prendre l'un des films avec Thanos, qui est un méchant, méchant. On arrive à comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait. Et c'est extrêmement rare, dans les années 40, dans les années 60, dans les années 80, de s'identifier aux méchants. Et pourtant, c'est ce qui se passe dans Le Corbeau. Le Corbeau, alors attention, spoil alerte, si vous voulez vraiment pas savoir qui est Le Corbeau parce que vous n'avez pas encore vu le film, mettez-moi en pause. Le Corbeau, c'est le plus âgé, le plus respecté de tous les personnages. C'est une forme, c'est un psychiatre, c'est un expert. Il est au cœur de chaque scène qui essaie de mettre en place des moyens, des pièges pour découvrir Le Corbeau. Donc, c'est quand même une grande ironie. Il est charismatique. Il est celui qui propose et qui dirige la dictée, parce qu'en plus d'être psychiatre, il se dit un petit peu expert en écriture. L'expertise en écriture, d'ailleurs, qui a été créée par, enfin, à la suite et pour l'affaire du corbeau de Tulle. Ça, c'est quand même marrant à savoir. Donc, ce corbeau, ce personnage, il est incontournable dans la société de cette petite ville. Et son mobile est assez simple, au fond. Il est même extrêmement basique, hein, c'est celui de la jalousie. Lui, il est plutôt vieux, et sa femme, elle est très jeune, et elle est très belle, et il la soupçonne d'avoir un amant, et il craint qu'elle le quitte. Donc son objectif est de pousser ce soi-disant amant à quitter la ville, et il attaque absolument tout le monde pour ça, parce qu'il doit noyer son objectif premier, sinon ce serait trop facile de remonter à lui. Mais ce mobile-là, on le comprend seulement a posteriori, quand on a vu le film au moins 2-3 fois. C'est pas aussi évident que ça. Le mobile du gentil, par contre, il est celui de rendre une justice, mais une forme de justice, une justice biblique, à savoir une vie pour une vie, œil pour œil. C'est la mère du suicidé qui comprend les machinations du corbeau et qui remonte jusqu'à lui avant même le héros principal et donc le spectateur. Et elle représente vraiment la vengeance pure, la justice divine, la main vengeresse qui rétablit une forme d'équilibre en tuant le corbeau, tout à la fin du film, d'un coup sec, avec l'arme que son fils a utilisée pour se suicider. L'identité du corbeau, c'est une vraie surprise quand on finit le film. Parce que justement, comme je le disais, il est psychiatre, et surtout il semblait le plus humain, celui en tout cas qui avait l'air de comprendre le mieux la nature humaine. On se souvient tous, je pense, même si on n'a pas vu le corbeau, à cette scène extrêmement iconique avec la lampe. Où est l'ombre? Où est la lumière? Où se situe la ligne entre le bien et le mal? En réalité, le corbeau, avec cette scène, par anticipation, il ne fait que se donner une sorte de caution morale, une forme de justification pour ses actes. Le corbeau ne se voit pas du tout comme un monstre. Il le dit d'ailleurs, je suis drogué et je ne me vois pas comme un monstre. Il se voit plutôt comme chacun d'entre nous, c'est-à-dire un être complexe, ambigu, avec sa part d'ombre et sa part de lumière. Il était donc facile, puisqu'on découvre cette personnalité, l'identité du corbeau assez tard dans le film, à la toute fin, il était donc facile de s'identifier à lui. Parce qu'il apparaît jamais comme un vrai méchant. À la suite de mes réflexions, si on me demande aujourd'hui qui est la voix rauque, qui est ce corbeau actif que la mère de Christine Villemain ou Madame Méline semble avoir vu, je dirais qu'il fait partie, vous savez, de la première catégorie de personnes. Il a une 50aine d'années, il a connu la guerre, la collaboration. En 77, c'est pas la première fois qu'il voit le film, mais il commence à en saisir la méthodologie. En 82, suite à la première diffusion télé, je pense que de revoir le film achève sa compréhension de la méthodologie et surtout sa détermination. Et je pense aussi qu'il vit, ou en tout cas qu'il a vécu assez longtemps et étroitement, avec quelqu'un de la deuxième catégorie, c'est-à-dire quelqu'un qui a 70 ans, sans doute
un parent, une père, pardon, un père, une mère, et que cette personne, elle, connaissait bien l'affaire de Tulle. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Alors, je me permets une petite parenthèse. En ce moment, je suis en train de monter cette vidéo et je viens de recevoir la confirmation que le film de Clouzot, Le Corbeau, a bien été diffusé quelque temps après sa mort. C'est vrai qu'avec Salomé, on avait choisi de parler au conditionnel puisqu'on n'avait pas encore l'information. Mais entre-temps, on a réussi à retrouver dans une coupure de Téléstar de l'époque la date exacte de diffusion. Il s'agit du 26 janvier 1977, ce qui vient donc confirmer la théorie de Salomé. Et j'en profite pour dire encore une fois merci à toi Salomé. Pour une première, c'était vraiment impressionnant. Et puis maintenant, je ferme la parenthèse et on peut passer à la prochaine question. Oui, bonjour, Laurent de Saint-Germain-en-Laye. Donc là, j'aurais voulu qu'Electra revienne sur une information donnée lors de la seconde émission de radio YouTube. Donc lors de la première heure ou les toutes premières heures de recherche, Michel, après avoir précisé que Grégory avait été jeté à l'eau, Albert Villemin se serait dirigé, on va dire, de suite et spontanément vers un petit pont, puis vers un hangar, hein. comme il savait ou qu'il avait su que l'enfant avait séjourné sous ce hangar. Voilà, quelle est votre opinion sur cet épisode que je trouve vraiment très intéressant? Merci à vous. Alors oui, en effet, c'est un épisode assez particulier qui pose quelques questions, qui n'est pas non plus si important que ça, mais c'est vrai que c'est intéressant d'y revenir. Donc je vais vous mettre la carte, comme ça, ça va vous permettre de bien situer l'endroit. Et donc l'auditeur, il voulait avoir une réponse d'Electra. Donc Electra, toi, qu'est-ce que t'en penses de cette histoire de près? C'est vrai que, voilà, Michel, il veut absolument chercher dans les bois avec Méline, alors qu'il a quand même entendu que ça se passait plutôt, à la Vologne. Qu'est-ce que tu penses, toi, de toute cette histoire? C'est effectivement une histoire assez curieuse et qu'on a appris qu'en 2017 ou 2018, enfin tardivement, on ne le savait pas avant. On savait que Michel avait fait une rétention sur l'intervention de la Vologne. Parce que ça, Jean-Marie en parle dans son livre le 16 octobre. Michel n'avait pas apporté à Jean-Marie que le corbeau, lors de l'appel que soi-disant il avait reçu, avait dit que l'enfant avait été étranglé et jeté à la Vologne. Il lui a pas dit, il le savait pas. Donc Jean-Marie s'est joint aux recherches au début qui avaient lieu dans les bois, dans les fourrés, dans les champs qui étaient autour de la maison, c'est ce qui paraissait le plus logique. Méline est partie d'un côté, eux aussi cherchaient là. Et puis à un moment, c'est Albert qui est intervenu et qui a dit à Michel, mais quand même, qu'est-ce que t'a dit exactement le corbeau? Répète-le à ton frère. Et là, Michel crache le morceau, il parle de la Vologne. Et Jean-Marie se met un peu en colère en disant, mais quand même, voilà, il est grand temps d'y aller, alors pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Et à partir de là, les gens qui cherchent se divisent en deux équipes. Il y en a une qui va partir vers Laval, c'est-à-dire déjà vers Docelle, en partant avec des lampes de poche. Ils ont fait les rives de la Vologne. Et puis, au contraire, Albert et ses deux fils, et Michel et Jean-Marie, partent de l'autre côté, en amont. Et donc, ils prennent cette petite route qui mène après, où il y a un pont. Alors, c'est important après, parce que le jour du 6 octobre, du 16 octobre, le pont de l'Épange était en travaux et ça a duré d'ailleurs plusieurs mois et donc il n'y avait pas moyen de franchir la Vologne à l'Épange et de changer de rive. Et le seul moyen de passer d'une rive à l'autre, c'est le pont de Près, c'est le seul pont le plus proche, sinon il faut remonter à Docelle de l'autre côté. Donc ils vont en voiture directement jusqu'à Près, enfin, c'est ce qu'on comprend hein, à travers les PV d'Albert, et puis là, il commence à remonter la rive à pied. Et en regardant le courant, Albert a cette idée, il dit, si l'enfant a été jeté à l'eau ici, alors forcément, on va le retrouver à Docelle, puisque c'est le sens du courant, c'est le sens dans lequel coule la Vologne. Ce qui paraît quand même un peu étrange, qu'Albert ait pu avoir une réflexion pareille,
parce qu'il connaît quand même très bien la région, il connaît certainement très bien le cours de la Vologne. Enfin, personne parmi les habitants du coin ne peut penser une chose pareille. On sait que le cours de la Vologne est très accidenté, elle se divise en plusieurs bras, plusieurs endroits. Et à l'arrivée de Decel, alors là, les papeteries étaient encore en service, il y a un canal, il y a plusieurs bras. Enfin, ça paraît très peu plausible. Et d'autant plus qu'il y a les grosses vannes de la Bresse qui coupent la Vologne et que jamais un corps n'aurait pu franchir ces vannes de la Bresse qui sont fermées la plupart du temps. En effet, c'est très troublant. Et puis, ce qui est encore plus troublant, c'est que même après la découverte du corps, en fait, il va vouloir y retourner. Il réussit à convaincre le gendarme Azote de l'accompagner donc après au niveau de ce hangar, qui a aujourd'hui disparu, hein, mais nous on a encore les images. Je remercie d'ailleurs le site Justice pour Grégory qui avait vachement bossé dessus. Donc on a encore les traces de ce bâtiment, mais il n'existe plus. Et donc il y retourne avec Azote, et là il lui ressort son histoire du corps qui aurait pu dériver jusqu'à Decel, et là dans un PV d'ailleurs, Azote, il trouve ça un peu bizarre, lui aussi. Donc c'est vrai qu'Albert a eu un comportement particulier avec Prey. Est-ce que t'en sais plus, toi? Plus non, mais enfin, effectivement, c'est ce que précise Azote. Entre les deux, il se passe l'épisode où ils vont essayer de trouver Ginette à la CIPA. Enfin, c'est une autre question. Mais à un moment donné, donc, on leur signale que ça y est, le corps vient d'être retrouvé effectivement à Decel, comme l'avait dit Albert. Petite coïncidence. Ils partent donc au local des pompiers. Bon, je ne reviens pas sur cet épisode qui est particulièrement douloureux. Albert passe la main d'ailleurs sous le blouson de son petit-fils. Enfin bon, c'est une scène très déchirante. Et puis, il rentre à l'éponge. Et là, au lieu de rentrer dans la maison, avec Jean-Marie qui va annoncer à sa femme la nouvelle tragique, lui, il exige de repartir tout de suite après. Et c'est le gendarme Azote qui, avec une voiture de service, le ramène après. Et là, il veut franchir le pont, car je crois que c'est de l'autre côté du pont. Et il veut absolument l'emmener dans un hangar dont il a souvenir, et il est persuadé que l'enfant a pu être séquestré là. En effet, c'est assez troublant. Pourquoi ce hangar? Et on voit vraiment qu'il fait une fixette là-dessus. Alors en plus, apparemment, c'est ce qu'on découvre, c'est que sur place, ils vont découvrir des cordelettes, et je crois des magazines. Après, on s'aperçoit quand même que ces cordelettes, elles sont beaucoup plus grosses que celles qu'on a découvertes sur le corps de Grégory. Mais là aussi, le gendarme, en fait, quand Albert lui ressort son histoire du corps qui aurait pu aller jusqu'à Decel, le gendarme, lui aussi, il trouve ça quand même assez particulier. C'est assez étrange. Et pourquoi est-ce qu'il s'est mis dans la tête que l'enfant aurait pu être séquestré là? Parce que c'est ça, son idée, en fait, que l'enfant aurait été séquestré dans ce hangar. Or, à cette époque, le premier soir, il n'a jamais été envisagé ça. C'est par la suite, quand on a connu les horaires, enfin ainsi de suite, on s'est dit que c'était pas possible que tout soit réalisé dans la foulée par le ravisseur, et que donc soit il y avait une deuxième équipe, soit il aurait pu le faire en deux temps, et on a envisagé une séquestration, etc. Mais à ce moment-là, c'est pas du tout d'actualité. On pense qu'il y a eu un ravisseur qui a pris l'enfant puis qu'il l'a mis à l'eau, tout simplement. Enfin, le premier jour, on n'a pas le temps encore de réfléchir à tout ça. Et lui, déjà, il est dans cette optique que l'enfant aurait pu être séquestré temporairement dans ce hangar, peut-être ficelé alors avec ses cordelettes, dont tu nous dis qu'elles n'étaient pas de la même taille en réalité. C'est tout de même un petit peu étrange. Et comment est-ce qu'une idée pareille a pu venir à Albert? C'est ça aussi qui est très étrange. Ou alors il a bénéficié d'un renseignement. Et à quel moment est-ce qu'il l'a eu? Là aussi, il y a des questions à se poser. Alors effectivement, c'est particulier. D'ailleurs, Azote, il remarque ça, il dit « Un connaisseur de la Vologne, il ne peut pas penser que le corps peut dériver jusqu'à Decel. » Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça veut dire qu'il connaît pas si bien la Vologne que ça, ou alors qu'il a effectivement une idée de la séquestration, ce qui est quand même assez particulier. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que effectivement, si on veut se rendre à la Vologne dans un endroit assez discret, en prenant en compte qu'en plus le pont au niveau de l'hôtel de l'Est, il est bloqué, c'est vrai que le premier truc, c'est prêt. Mais pourquoi ce hangar? Pourquoi tout ça? Ça peut quand même indiquer qu'Albert, il avait sa petite idée. Hein. De toute façon, lui, il a toujours cru que le gars à la voix rock, en fait, il en avait pas terminé. Il était toujours sur le qui-vive un peu, Albert. Donc, est-ce qu'il se doutait de quelque chose? Enfin, voilà. C'est très étrange. C'est très étrange. C'est vrai que ça laisse penser. Alors, est-ce que finalement, Michel aurait eu, dans ce coup de téléphone du corbeau, qui dans cette hypothèse aurait existé, plus de renseignements que ce qu'il a dit
au gendarme et ce qui figure dans son PV, et que ça, il l'aurait confié à ses parents et que personne ne l'a dit? Ou bien, est-ce que c'est un autre moment que ces renseignements ont été sus, appris? Parce que entre le moment où Michel a reçu cet appel, il prévient donc ses parents, enfin il les fait prévenir par Lionel, et puis lui, il va vite prévenir à son usine, enfin c'est pas à l'usine, on sait qu'il est allé voir le contremaître Turiot chez lui, et quand il rentre, il se met à faire le dîner pour ses enfants, comme si de rien n'était, ce qui est là aussi un peu surprenant. Et pendant ce temps-là, on ne sait pas très bien ce que font Monique et Albert. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils partent tard pour l'épanche. Au lieu de partir tout de suite, en réalité, ils partent tard. Et on ne sait pas très bien, elle, ce qu'elle fait. Or, Monique, elle utilise beaucoup son téléphone. Est-ce que pendant ce temps-là, elle a téléphoné à d'autres gens de la famille? Est-ce qu'elle a essayé de se renseigner? Est-ce qu'elle, c'est à ce moment-là qu'elle a pu avoir ce renseignement? Mais le corbeau, il ne fera pas de mal aux petits. Monique est très sûre de ça, hein, puisque c'est ce qu'elle dit à Christine. Elle veut la rassurer, elle lui dit « ne t'inquiète pas, il ne lui fera pas de mal ». Effectivement, c'est vrai que ça peut ressembler à ça. Moi, j'ai souvent parlé avec des gens qui ont des théories, et il y a quelqu'un qui se reconnaîtra, je pense, qui est à peu près sur cette théorie. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont quand même au courant. Peut-être que Michel, d'ailleurs, à ce moment-là, il crache le morceau. Et que les parents, ils se disent, bon, il va peut-être pas le tuer, mais il est sûrement séquestré quelque part. Peut-être qu'effectivement, il y a l'insuline. Et la volonté première, c'est pas de le tuer, mais de le rendre infirme ou quelque chose comme ça. Et que du coup, Albert, il pense de suite à ce petit cabanon après. C'est vrai que c'est particulier, cet événement. Après, voilà, des fois, on surestime les gens. Et c'est peut-être juste Albert qui s'est fait sa petite idée, qui est pas très malin. Et au final, il y a aucun lien. Mais en tout cas, il y a de quoi extrapoler, ça, c'est sûr. Oui, et on peut se demander aussi, alors pourquoi également est-ce qu'il est sûr qu'on va retrouver le corps à Docelle? Parce que la Vologne, c'est quand même très long. Elle serpente beaucoup. Il est certain, lui, apparemment, il dit « il faut aller à Docelle ». Et c'est vrai qu'on retrouve le corps à Docelle. Alors là aussi, c'est un peu mystérieux. C'est une coïncidence, peut-être, mais enfin, elle est troublante. C'est quand même très troublant. Alors, il y a un deuxième moment où peut-être ils auraient pu apprendre des renseignements, mais bon, ça, on ne va pas développer ça maintenant, puisque de toute façon, ça fera l'objet d'un prochain travail de Radio YouTube. C'est vrai qu'il y a cette rencontre très particulière à Lavline, où les trois voitures de protagonistes se trouvent à la même heure, au même endroit. On ne sait pas très bien ce qui se passe. Le fait est que Monique est descendue de voiture, qu'elle a parlé à Jean-Marie, ça n'a pas été un simple croisement. Il y a tout un mystère autour de ce rendez-vous à Lavline, et on ne sait pas bien ce qui s'est dit. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'ils ont réussi à obtenir quelques renseignements supplémentaires? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Voilà, et c'est des questions d'ailleurs qu'on se posera dans une prochaine vidéo qui s'appellera « Rendez-vous à Lavline ». Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant sur ce qui s'est passé après. Lors de notre tout dernier voyage sur place avec mon acolyte, il y a une petite information qu'on aimerait bien vérifier. Cette information, elle concerne le docteur de Grégory qui s'appelait Daniel Lambert. Il exerçait donc à l'épanche sur Vologne dans un lieu qui s'appelle le Soyette. Et pendant longtemps, on n'avait pas cette adresse, donc on ne savait pas exactement où il habitait. Et à force de rechercher, on réussit à tomber dessus. Et puis on se dit, bah, vu qu'on est sur place, c'est l'occasion d'aller regarder un peu voilà, son cabinet, à quoi ça ressemble tout ça. Donc l'endroit, le Soyette, se trouve juste à côté de l'église et du cimetière de l'Épanche. En allant voir cet endroit, on s'aperçoit qu'il y a un petit chemin, une route alternative pour se rendre à la poste avec plusieurs possibilités de se garer discrètement. Il y a même des parkings. Il y a même d'autres éléments qui sont intéressants aussi. On a par exemple une très belle vue depuis l'arrière du cimetière sur les HLM où habitait la nounou. Alors pour précision, le docteur Lambert, lui, il avait reçu aussi un appel. C'est pas exactement si ça s'est passé en 83 ou en 82. Ça diverge un peu selon les sources. En tout cas, l'appel qu'il a reçu fait partie de cette série. Donc il y a le médecin de Michel qui avait été appelé, puis aussi celui de Grégory, et puis enfin celui d'Albert. Jusqu'à présent, on imaginait la fuite du corbeau après avoir enlevé l'enfant par la rue de l'église et ensuite retourner sur la rue de la mairie. Ce qui m'a toujours paru quand même assez dangereux, puisque c'est une route principale, on risque de le voir. En plus, il stationne son véhicule pas très loin de la poste, logiquement on aurait dû le voir. Et là, on a un chemin qui est carrossable et qui en plus est très discret, on peut se garer, etc., etc. On a regardé des images d'archives qui sont un peu plus anciennes même que 1984, et sur ces images, on voit un petit tracé, donc visiblement, cette route existait déjà. Alors peut-être qu'à l'époque, c'était pas encore goudronné,
Mais en tout cas, il y avait un passage. Est-ce qu'après, il y avait des sens interdits? Ça, je peux pas le dire. Mais en tout cas, voilà, je vous propose de regarder les images brutes. Une route alternative pour aller poser la lettre discrètement. Bonjour, encore Titine Toulouse. J'ai une question par rapport à l'appel du corbeau à Liliane. Quand on écoute une version masterisée et nettoyée, on entend derrière la voix du corbeau qui parle un chien aboyer. Est-ce que vous avez pu analyser cet appel et qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Alors Titine, merci pour ta question. J'avais pas du tout remarqué que dans cet appel que tu mentionnes, donc il s'agit d'un appel qui est passé le 8 mars 1984 chez Liliane. Allô? Allô? Qui c'est? On a du même déprimé, on sait que c'est toujours le même cinglé, à part ça. Tu sais, tu me déranges plus maintenant, hein? Les histoires de Chérima, tu sais, j'en ai rien à foutre, hein? Oui, merci. Toi, tu seras l'épisode premier, parce que jusqu'à maintenant, on... Et effectivement, au tout début dans cet appel, on entend un chien aboyer, et quelques secondes après, on entend aussi un enfant. Et c'est vrai que c'est compliqué d'expliquer ce chien, puisque d'après mes informations, Liliane et Jackie n'ont pas de chien. Alors après, peut-être qu'ils en avaient un et que je le sais pas, hein, c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que apparemment ils n'avaient pas de chien. Il y a plusieurs choses qui sont possibles, plusieurs scénarios en tout cas.
Alors la première version, qui serait très intéressante d'ailleurs, hein, c'est de se dire que finalement l'appel n'a pas lieu depuis chez Liliane et Jackie. Alors là, on peut penser par exemple à Roger Jacquel, qui lui vit dans une grande ferme, et donc c'est vraisemblable qu'il y ait un chien chez lui. Et ça voudrait dire donc que l'appel a été passé chez Roger Jacquel, même si ça me paraît quand même un peu gros. Une autre possibilité, c'est qu'ils avaient un chien et que finalement, ben voilà, on n'est pas au courant. Troisième possibilité, on sait que voilà, Jackie et Liliane habitent dans un coin où il y a beaucoup de voisinage et on entend aussi l'enfant, donc on peut imaginer peut-être Eric, le fils de Jackie et Liliane, qui promène le chien d'un de ses voisins ou qui est avec un de ses petits camarades et que le camarade a le chien avec lui et qui remonte comme ça chercher son goûter ou son sac à dos, enfin un truc dans le genre. Donc voilà pour les possibilités, c'est intéressant, mais voilà, par des scénarios, on n'a pas vraiment de certitude là-dessus. Sinon, comme on le sait, hein, Bernard Laroche, lui, avait un chien qui s'appelait Prince. On connaît aussi le berger allemand hein, de Muriel Boll. Il y a une autre petite anecdote aussi, puisqu'on parle de chien, qui m'avait frappé. J'étais tombé sur un PV de Jean-Marie Villemain, et donc je vous propose de le lire. Donc dans ce PV, on parle d'un petit problème, une petite altercation qu'il y a eu entre un certain Alain Noël, qui vit pas très loin de chez Monique et Albert, et Jean-Marie Villemain. Alain Noël vit seul, je veux dire sans sa femme car il est divorcé, mais avec sa mère dans une maison à quelques dizaines de mètres de celle de mes parents. Ce gars travaille à la filature. Il ne fréquente pas mes parents car depuis de nombreuses années, il existe des histoires anciennes entre nous. Des vols de lapins, je crois. Je me souviens qu'il y a environ 12 ans, j'ai eu un problème direct avec cette personne. Il avait un chien qu'il laissait en liberté et qui était venu déjà plusieurs fois chez nous pour tuer des poules. Un soir, je l'ai vu qui en avait tué 3. J'ai pris ma carabine de 9 mm et j'ai tiré sur le chien, qui n'a été que blessé. Alain Noël est venu me voir pour montrer son désaccord, mais sans grande agressivité de sa part. Il a un frère, Serge, qui a longtemps fréquenté Jackie et Liliane. Audition, Jean-Marie Villemain. Et on a aussi la version de Serge Noël, donc le frère d'Alain Noël, et lui dit « Je sais qu'il y a quelques années, Alain avait eu un petit différend avec Jean-Marie Villemain. » En effet, un jour, son chien s'est lâché et il est allé autour de la maison de Villemain. J'ai appris en ce temps-là que Jean-Marie avait tiré sur le chien avec une carabine. Suite à cet incident, il y a eu un petit froid entre Alain et Jean-Marie. Donc voilà ce qu'on peut dire autour des chiens, il y a sûrement d'autres anecdotes, mais je trouvais celle-là particulière et voilà, comme on pouvait juste répondre à ta question par des scénarios, c'était l'occasion de parler de cette histoire avec Jean-Marie Villemain qui tire sur un chien. Je trouvais ça assez particulier. Merci Titine à toi et j'espère qu'on t'aura un peu répondu à ta question.